En cette fin d'été, dans ces immenses forêts de margerides, j'attends la saison du brame avec impatience. En attendant, je vais observer la faune et la flore qui se trouvent dans ces forêts. Avec un peu de patience et beaucoup de temps, ces animaux restent approchables, mais pas pour tout le monde. Il faut les observer et connaître leurs habitudes. Entre bruyères, tourbières, forêts de feuillus et de résineux se cachent d'innombrables animaux et insectes. L'automne arrive, les jours raccourcissent et la température baisse. J'ai effectué un suivi durant toute l'année pour arriver à les connaître et à connaître leurs habitudes. Des habitudes qui ne sont pas tout le temps les mêmes durant les saisons, mais il faut s'adapter si on veut pouvoir les approcher. Il faut d'abord les trouver, puis arriver à les approcher. Ça reste quelque chose d'assez compliqué, mais quand on a des connaissances sur l'animal et sur son environnement, ça reste assez facile. Les premiers jours, je les entends quand la nuit arrive, donc je ne peux pas les approcher. Les animaux sont faciles à approcher car ils se concentrent à chercher leur nourriture pour affronter le froid. Être au plus près de cette faune et cette flore reste un privilège. Les cerfs commencent à bramer.
Puis les jours passent. Il faut y aller, c'est le moment. Les cerfs sont en pleine brame. Et puis ils commencent à bramer en journée. De plus en plus facile à trouver. Il faut rester à distance pour ne pas le déranger. Ces immenses forêts avec leurs burons, ces rivières, ces chemins sont des endroits qui restent rares en France et qu'on a la chance d'avoir nous en Margeride. Ces animaux qui sont des animaux fantômes pour certaines personnes ne sont en fait pas si fantômes que ça. Il y en a des grandes populations partout en France. Il faut être patient et les connaître pour arriver à les approcher.
En cette fin de Bourame, les jeunes serfs apprennent de leurs aînés, même si il va falloir qu'ils soient patients. Enfin, la fin d'automne arrive, les feuilles tombent pour laisser place à l'hiver et à ce premier petit manteau de neige qui vient recouvrir notre marjolaine. L'hiver est là.